kabole spansi kitini kwa mwesa mwala wana tawatawala ayayayaya mahimura kwa sikal kod kabus pongo mana sike muka yambe everyone shout bojojo mafra bange smoke the bange manwa tembo drink the tembo amen everyone forget all sorrow jamba ngoma forget all weakness hey. Wana nyangwe na mushe niwe mboma. Pourquoi la forme de la satire pour bah, votre première œuvre littéraire? Pas, je pensais que ça pouvait alléger les choses. Mm-hmm. Hein, en prenant ce style, ça pourrait alléger, ça allégerait les choses. Et deuxièmement, pourquoi j'ai écrit sur cette période, c'est parce qu'en réalité, lorsque j'y suis rentré ici en 82, c'était encore très présent dans les dans l'esprit des gens. 4 ans après, et les gens ne parlaient que de ça partout. Je sortais beaucoup à cette époque, j'allais dans les places publiques, et les gens parlaient. Parce qu'ils en ont été victimes eux-mêmes ou parce qu'ils ont été même bourreaux? Il y a peut-être des victimes, il y a peut-être juste des témoins, il y a toujours, donc ils en parlaient. Donc c'est pour ça que je me suis dit, et là l'idée que j'avais, ça pourrait être matière à en faire un roman. Quelque chose. Voilà. Et sur le style, vous m'avez dit à l'instant, c'était pour alléger les choses, mais pour alléger, c'est-à-dire que le romancier se fait un peu le, c'est quoi, c'est une écriture un peu thérapeutique, il se fait un peu le médecin, le médecin feuille de la société comorienne. Si c'est le médecin, parce qu'en fait, des choses qui étaient très graves. Je pense que si c'est comme ça, moi je me sentais. Mais si j'avais pris un style assez grave, en fait, pour raconter les choses telles qu'elles étaient, je pense que la forme même du roman que je voulais ne pouvait pas. Ça pourrait à ce moment-là être un livre pratiquement d'histoire ou historique. Et c'est pour ça que je me suis dit prendre les choses de manière plus légère, plus alambiquée, plus pratiquement ludique. Pratiquement ludique. Je pense que ça pourrait passer. Et malheureusement, c'est pas comme ça que tout le monde l'a senti. Ça n'a pas été reçu comme ça. Ressenti dans ce jeu de style. Ça a été les gens qui se sentaient concernés ont ressenti comme si c'était des coups de poing sur la poitrine assez durement. Comme une attaque. Parce que je vous ai dit, mais en fait je ne l'ai pas dit, mais je me rappelle quand j'étais en France, il y avait qu'est-ce que faisait le Parti communiste à La Courneuve chaque année au mois de septembre. Ah oui, la fête de l'humain. Voilà, la fête de l'humain. Alors je me rappelle, j'y étais allé un jour et il y avait un gars là d'ici. Je ne dis pas son village. D'ici, ils étaient là, mais ils voulaient me casser la gueule. Ah oui. Ah oui, mais carrément. Parce qu'ils avaient lu le roman. En fait, ils ont ou parce qu'ils en ont entendu parler. Ils l'ont entendu parler. Et comme il était, quand il était ici, il était partisan du régime. Voilà, donc, et c'est comme ça. Et je me rappelle dans un bal à Bercy, on faisait les balles comme on est là-bas. C'était la même chose. Un soir, on m'a bousculé. C'était assez violent. Vous êtes professeur de littérature. Dans une œuvre littéraire, il ne faut pas forcément voir derrière l'auteur, c'est-à-dire l'auteur-narrateur. Mais malgré tout, vous êtes comorien. Roman se passe sur un événement qui s'est passé ici, c'est-à-dire... D'autant plus qu'on n'a pas l'habitude de la chose écrite. Écrite, non. C'est ça. Les gens supportent mal, en fait. Vous savez que les pièces de théâtre, les machins, la République des Imbert, ça c'est... Je pense que là-dedans, il doit y avoir à peu près 9/10 d'invention, et peut-être 1/10 d'une réalité que je
que j'essaie que vous avez organisé. Mais les gens croient toujours qu'ils veulent toujours savoir, mais oui, mais c'est qui? C'est qui? Ah oui, mais c'est où? C'est, et là, c'est la même chose ici. C'est des trucs inventés, il n'y a rien de vrai là-dedans, mais les gens veulent toujours savoir. Donc, effectivement, parce que la littérature, en fait, au Comore, on n'est pas encore. Pas une habitude, donc on croit toujours que là c'est quelque chose que l'on écrit. C'est le réel. Voilà, c'est le réel. Donc c'est pour ça que. Bon, mais moi je commence à être habitué.